Rust in het zuidoosten van Rwanda, februari 1994. Op een ranch in Panga, een idyllisch safaripark vlakbij de grens met Tanzania, ontvangen Marcel Guérin en Gloria Martinez hun gasten. 2 maanden later, april 1994, wordt dit een hel. Pas 5 jaar later willen ze daarover praten. Maar hier zien we de militairen in uniform, ce que nous autres n'avons pas vu. Et en plus de ces scènes de pour soigner, ça on en a vu aucune, absolument aucune. Bon, évidemment la scène qui était là, les cadavres, ça c'est ce qu'on a vu partout, mais en plus grande quantité que malheureusement. Gloria Martinez, Mexicaanse van geboorte, en haar Belgische man Marcel Guérin beleefden zelf de Rwandese tragedie. Non, le seul blessé qu'on a vu qui avait été soigné, c'est un militaire quoi. Meer dan 1 miljoen Rwandezen zijn vermoord tussen april en juli 1994. Zo goed als allemaal door Hutu-milities, de Interahamwe. Dat is de versie van het Patriotisch Front dat vooral uit Tutsis bestaat. Het front veroverde toen het land en heeft vandaag de macht. De soldaten van het Patriotisch Front hebben ook gemoord, dat wisten we al. Maar ooggetuigen durven nauwelijks praten voor de camera, omdat niemand hen wil geloven en uit angst voor de nieuwe machthebbers in Kigali. Des affrontements, on s'y attendait. Mais la situation dans laquelle s'est retrouvé le Rwanda en avril 94, moi personnellement, je ne peux pas dire que je m'y attendais. Dat was voorjaar 94. Op 6 april wordt het presidentiële vliegtuig uit de lucht geschoten. Ver weg in en om Kigali begint de oorlog, de massamoorden. Hier in het oosten trekken ook enkele bendes Hutu-extremisten naar vooral Tutsi-families, moordend, plunderend. Op 8 april proberen ze ook de ranch in Panga binnen te dringen. Het lukt niet, ze vertrekken. Les Interahamwe, on n'entend plus parler d'eux. La gendarmerie, on ne la voit jamais arriver. L'armée, on en voit encore moins. Pardon. Et de fil en aiguille comme ça, la situation change. Totalement. Et dans le lointain, on commence à entendre les armes automatiques de plus en plus près, pas dans le lointain, puis ça se rapproche, etc. Depuis quelle date? À partir du 13. Andere getuigen bevestigen dat vanaf half april de soldaten van het Patriotisch Front het oosten binnentrekken. De ranch in Panga ligt snel in oorlogsgebied. Honderden boerenfamilies, Hutus en Tutsis, zoeken bescherming in het safaripark. Et je me rappellerai d'être assis sur un rocher avec mon garde et je lui dis, je dis regarde un peu, c'est quand même triste d'avoir un si beau coucher de soleil dans une situation si triste en entendant les canons, les armes automatiques, etc. Il y a une pause. Il ne dit rien. Il ne dit pas que c'est beau ou que c'est pas beau. Et puis il me répond. Il me dit, tu vois le ciel? Je dis, oui, bien sûr, c'est ce que je te dis. Regarde comme c'est beau. Il me dit, le ciel, ce n'est pas un coucher de soleil. Il dit, ce que tu vois dans le ciel, c'est le sang du Rwanda. Vous avez une presqu'île qui me fait face, à moins de 1 km. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'on rassemblait tout le monde. Vous l'avez vu, vous-même? Je l'ai vu avec un jumel. Mais je ne savais pas que par la suite, j'allais voir en réel. Donc, on se demande ce qui va arriver. Et on se rend bien compte qu'il y a... que un côté qui tire. Il n'y a pas deux côtés qui tirent, il n'y a qu'un seul côté qui tire. Bon, les quelques gens qui parviennent à passer à travers les mailles qui arrivent aussi, de nouveau, chez nous, nous donnent quelques informations comme quoi que on est occupé à tuer. Mais occupé à tuer ne veut pas dire qui. Et cette situation perdure comme ça jusqu'au 26 avril. 26 avril. De oorlog en het moorden duren nu al 3 weken. De vluchtelingen bij de familie Guérin behelpen zich met wat de natuur te bieden heeft. Overleven.
Die dag verandert alles. Zwaar bewapende militairen dringen het terrein binnen. Marcel en zijn naaste medewerker Innocent Gatete krijgen schoppen en slagen. On était devant la maison, maintenant sur la vue vers le lac, etc. Et puis, avec hargne, avec méchanceté, les questions devenaient de plus en plus violentes, etc. Et puis, à un moment donné, il y a trois balles qui partent. Et mon garçon prend les trois balles dans le corps. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comme ça. Il tombe par terre avec le sang qui coule, mais il était vivant, il n'était pas mort, etc. Alors je dis non, j'ai tendance à me pencher vers lui puisqu'il venait de tomber, etc. Et il me dit, si tu veux suivre, qu'il dit, essaye de porter secours à ce chien. J'ai dit, mais c'est pas un chien, c'est un homme, c'est mon garçon, c'est un travailleur, mon travailleur, etc. Ils me disent, les chiens, ça meurt comme ça. Op dat ogenblik weten we nu zeker zijn de meeste Interahamwe-milities al weggevlucht. Zeer gericht hebben ze Tutsi-families en vermeende collaborateurs met het Patriotisch Front afgeslacht. Ook op amper 10 kilometer van de ranch in en om de kerk van Niarubuye. Marcel en Gloria moeten mee naar een commandopost in het gehucht Mulindi vlakbij. Nous voulons embarquer, il y en a 4 qui rentrent dans la cabine avec moi, donc 5 dans une cabine. Les armes, elles étaient tout prêtes. Et nous voulons partir avec ce véhicule à travers l'orange, arriver à la barrière, là il y en avait, et en plus de ça, ils avaient déjà un groupe de gens. À ce moment-là, c'était à peu près une quarantaine, pas oui, plus. Il n'y avait pas beaucoup ces jours-là. De vieilles gens, de vieilles mamans qui étaient là déjà. Et là, je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les mamans qui étaient là avec les seins nus et tout ça. Et les enfants. J'ai dit, il y a quelque chose, donc les seins nus, donc ils ont déjà été battus, martyrisés, etc. Bon, on passe là. Mais arrivé à Mulindi, au marché, il y avait donc la place du marché où j'allais régulièrement chercher quelque chose pour le ranch en complément, etc. Donc j'étais habitué à aller acheter là. Et là, je me retrouve devant un marché, mais un marché de cadavres. La place, ce n'était que des gens morts. Morts depuis longtemps ou... Non, tout frais. Oui, avec signé. Tout frais. Et on parle du date du 26 avril. 26. De volgende dagen vluchten uit Zuidoost-Rwanda meer dan 500.000 ongewapende burgers naar buurland Tanzania. Op de vlucht voor de Interahamwe-milities verkondigen de nieuwe militairen wereldwijd. De internationale pers gelooft hen. Voy a rester avec el chef de Rie. Mi María partí. Alors dans la route. Il y avait une personne là qui s'est trouvée dans une maison, dans une petite maison là, occupée à dormir. Alors, ils ont fait venir là parce que le chef devait passer. Et le chef lui dit, où est-ce que vous le sont trouvé? Dit là, dans une petite hutte, occupée à dormir. Et dit que c'était une rame. Alors, dit, vous le coupez la tête. Comme ça, madame, elle va voir comment est-ce que nous le faisons le traître. Vous l'avez vu vous-même? Ils ont coupé la tête, et moi j'étais dans la voiture, ils ont coupé la tête de côté de la voiture comme ça, nous allions comme ça, ils le sont mis comme ça, il y avait la chambre de maïs, il rico, ils le sont mis comme ça, ils le sont coupé la tête là, et ils ont dit, regarde madame, c'est comme ça que nous le faisons le traître, et si vous êtes des complices avec les inéramos, vous êtes très bien qu'est-ce que vous attendez. Die avond van de 26e april brengen de militairen van het Patriotisch Front Marcel en Gloria even terug naar hun ranch om hun laatste spullen op te halen. De 1500 vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen verstoppen zich in paniek diep in het struikgewas. Zij weten wat er die ochtend gebeurd is. Qu'est-ce qui s'était passé avec Innocent Gatete entre-temps? Bon, lui, quand je l'ai abandonné, quand on m'a fait quitter, etc., lui, il est resté en agonisant par terre, quoi. Vous l'avez revu? Je l'ai revu le lendemain, avant de repartir, on est passé, mais là, il était mort. Il était toujours là, mais mort. Bon, alors, à ce moment-là, j'ai entendu, quand j'ai entré pour déposer les clés, j'ai entendu, quand lui, il a dit à tous ceux qui étaient avec lui, il a dit, maintenant que le blanc part, vous faites le ratissage, et vous ne laissez pas en vivant. Vous éliminez tout ce que vous. Mais lui, il le dit en Kinyaro, en Kiswahili, hein? Lui dit, ça, ça y est, le musulman a enda,
Ça, ça y vit en aenda, ta fagne ratissage, et en a pig en aiote, ou en a tembea. A pana, en a acha, moi et moussima. Donc vous tuez tout le monde, tout ce qui bouge vous tuez, il ne faut rien laisser vivant. Ça vous avez entendu, ah, oui. Il a donné cet ordre. Je l'ai entendu, quand il a écrit. Je l'ai entendu à lui que lui disait en swahili. Van de vluchtelingen op hun ranch hebben Gloria en Marcel sindsdien niemand meer teruggevonden. Het gebied is nu militair terrein. Niemand mag erbij. Alle gebouwen zijn leeggeroofd en geplunderd. 27 april, als gevangenen van het Patriotisch Front, vertrekken Marcel en Gloria nu definitief. Eerst opnieuw naar de markt van Mulindi. Les gens saignaient la tête par terre, le sang coulait. Donc c'était pas d'il y a trois jours, deux jours ou quelques heures, c'était tout frais. Et je me rappellerai, enfin moi aussi d'ailleurs malheureusement, je me rappellerai être debout là, à un moment, et il y a un enfant qui crie, qui pleure, mais un petit bébé quoi, quelque part dans les bananiers. Eh bien ça ne les a pas secoués de dire, allez faire taire cet enfant. Vous l'avez compris. Oui, ils ont dit, allez faire taire cet enfant, et le type est parti pour aller faire taire l'enfant, et on a entendu, pof, c'est tout. Et l'enfant ne disait plus rien. Et alors, on a entendu plusieurs exécutions comme ça, de gens qui étaient cachés dans des silos à maïs et tout ça, qu'ils ont retrouvés, qu'ils ont exécutés là, comme ça, qu'on a ajouté au paquet, et nous autres, on est restés là-dedans, et on a dit, bon, maintenant, ici, c'est pour nous, c'est le point final. Alors, vous avez vu tout ça de vos propres nous yeux sommes, dedans. Nous sommes écoutez, bloqués à Moulin jusqu'à midi. Écoutez, c'est pas seulement le voir, et c'est ce que j'ai dit, j'ai écrit, personne n'a voulu le publier évidemment, mais j'ai essayé de faire comprendre ça. La télévision, c'est très bien, on filme, on montre, etc. Mais il y a une chose qui manque à la télévision. Le principal, c'est l'odeur. On montre, etc. Mais il y a une chose qui manque à la télévision. Le principal, c'est l'odeur. Nous sommes sortis de Mulindi, plus haut dans les chemins. Il y avait des femmes et des enfants, tous s'habillés comme ça, des vieillards, de côté de la route. Et la voiture s'arrêtait et il y avait les petits militaires qui étaient avec. Les petits militaires les ont demandé qu'est-ce que nous faisons avec ces qui sont là. Il dit, mais vous sont venus ici pour travailler. Faites votre travail. Bumbafo, lui parlait en swahili. Atakuya apa kwa tafanya kasi. Atafanya kasi sasa hivi. Nyangaragata, mafi. Atakuya apa kwa tafanya nini. Atakuya kwa tafanya kasi, atafanya kasi yake. Si vous venez ici pour travailler, faites votre travail tout de suite. Ce qui voulait dire d'éliminer les gens qui étaient là, quoi. Et ça s'est passé. Ah oui. Nous sommes continués, ils sont... Mm-hmm. Ça s'est passé après. Vous devez savoir. Tout de suite. Juste à côté de la route, tes femmes, des enfants. Comme ça. Avec la machette. Et ce qu'ils nous ont dit. Avec la machette. Avec la machette. Ils nous ont dit. Moi, ils me l'ont dit plusieurs fois, etc. Puis on était ensemble. Ils m'ont dit nous gagnerons la guerre avec leurs uniformes et avec leur méthode. Avec leur méthode. Nous ferons la même chose. Et c'est pour ça qu'ils nous disent ils sont trompés comme ça la population, les journalistes. Ils sont trompés comme ça les journalistes parce qu'ils sont faits. Sont coupés à des gens qui sont trouvés cachés là, des vieillards, des malades, des enfants, le sont coupés à la tête pour dire que c'était les incinérables. Mais ce n'était pas les incinérables parce que c'était la même chose, disons, que les incinérables. Lijken in de Akagera-rivier, de grens tussen Rwanda en Tanzania, beelden van begin mei. Marcel en Gloria hebben dit al eerder overal gezien. J'ai vu la Kagera, j'ai vu le lac Mpanga, le lac Tchambwe, qui sont des lacs importants, le lac Nacho, etc.
J'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de flotteurs. Des cadavres, frère, en ce moment. Mais justement, parce qu'il y a des gens qui vous disent, oui, mais les flotteurs, c'était du temps des Interahamwe. Mais nous sommes à la fin du mois d'avril. Et moi, je sais qu'il n'y a pas eu d'Interahamwe, il n'y en avait plus chez moi. Donc ces cadavres qui sont là, un cadavre ne flotte pas pendant des mois. La même chose quand on a dit que les cadavres arrivaient dans le lac Victoria partant des chutes de Rusumo, c'est matériellement impossible quand on connaît la région. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait des exécutions au nord du parc de la Kagera qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été rapportées par les médias. Mais moi, le nombre de cadavres que j'ai vus dans tous les lacs, dans toutes les rivières, dans tout point d'eau, il y avait des flotteurs. C'était des gens qui ont été tués vers la fin du mois d'avril. Ah oui, puisqu'on voyage maintenant, nous sommes le 27. Donc ce sera le 27, le 28, le 29, le 30, etc. Donc c'est après. Nog wekenlang drijven de lijken met duizenden over de grote rivieren. Tot in het Victoriameer, honderden kilometers noordelijker. Dit zijn beelden van nog eens een maand later, einde mei. Voor Marcel en Gloria gaat de gedwongen tocht verder over de heuvels. La dernière épingle à cheveux pour arriver sur l'asphalte, là on tombe sur un paquet de gens. Dans la boucle, dans l'épingle à cheveux, il y a un paquet de gens qui est par terre, mort, gonflé. Et au milieu, là je sais vous dire, maintenant je peux vous dire qu'au milieu du tas, il y avait trois vivants, assis. Et les autres étaient morts, ça c'est sûr qu'ils étaient morts, là je ne me suis pas trompé. Donc, c'est horrible à voir, c'est qu'il y a des gens qui passent, qui montent et qui descendent, qui passent à côté de gens qui ont été exécutés. Ces gens qui restent assis au milieu sont certainement des gens qui ne peuvent plus marcher parce qu'ils ont eu des balles dans les jambes ou les jambes coupées ou quoi, mais qui ne sont pas encore mortes, qui attendent la mort dans ce tas de cadavres occupés à pourrir. Et c'était... Et on ne les achève pas. Et c'était fait il y a quelques heures seulement. Mais, oui, puisque les gens étaient... Je ne sais pas combien de temps peut rester en vie une personne qui n'a plus de jambes ou qui ne sait plus se déplacer. Mais en juger les cadavres, ils étaient déjà gonflés, mais n'étaient pas encore pourris. Donc c'était il y a 2, 3, 4 jours peut-être, pas plus. Donc... On part de là, on arrive... Et les gens qui vous accompagnaient ne faisaient rien du tout. On ne s'arrête pas ni pour les sauver, ni pour les achever. On les laisse comme ça. Alors on arrive sur l'asphalte. Alors là, ça devient tellement gros, ça devient tellement... un abus de mort que je me fais la réflexion. Après autant d'années de chauffeur, j'ai conduit dans la neige, dans le verglas, dans la boue, dans le sable, sur toutes les routes au Zaïr, etc. Dieu sait si des routes difficiles j'en ai faites, mais jamais de ma vie je croyais que j'allais rouler dans du sang. On a commencé à rouler dans le sang, parmi les cadavres qui jonchaient la route, depuis... Cabarondo jusqu'à Kibungu. Ça fait à peu près 30 kilomètres. Et les cadavres étaient encore à côté? Sur la route. Sur la route. Et c'était un cadavre frais? Ah oui, puisqu'il y avait du sang. Donc j'ai roulé dans le sang. Kibungu, je dois faire une précision, Kibungu c'était là vraiment un champ de désastre. Vide. Ah, vide et des corps partout. Encore des cadavres. La pompe à essence, il y avait des cadavres. Ils se servaient de l'essence carrément au-dessus en passant au-dessus des cadavres, etc. Mais aussi des cadavres frais encore. Mais tout frais. On tirait dans Kibungu le 27 la nuit quand on est arrivé, le 28 au matin, ça canardait. À outre mesure autour de
où on était. Alors on était en train encore d'assassiner, de tuer au moment que vous y étiez. Ça continuait. Et alors je dis à ma famille, mais c'est pas possible. Vanuit Kibungo nu naar het noorden, naar de zoveelste commandopost, de zoveelste ondervraging, 28 april, in Gahini. Si il arrêtait de me questionner, c'était pour remplacer par quelqu'un d'autre, pendant que lui s'occupait des affaires courantes. Les affaires courantes, c'était les interrogatoires de gens qu'on avait trouvés dans une hutte, dans un champ de bananiers et tout ça. Alors l'interrogatoire, c'est lui qui s'en occupait. Il posait 3, 4, 5 questions, les réponses étaient insatisfaisantes, il prenait son revolver, il exécutait et il disait d'empiler le reste sur le tas à l'église. C'est comme ça que je connais le tas de l'église. L'église de Gahini, c'était empilé. Twee weken later verspreidt het internationale persagentschap Reuters deze beelden van Gahini. Nog eens een week later maakt een VRT-ploeg deze beelden in de kerk van Rukara, een buurgemeente van Gahini. Verschillende onafhankelijke getuigen hebben het over 15.000 tot 25.000 doden alleen al in Rukara. Vermoord vanaf eind april, toen het Patriotisch Front het gebied al in handen had. Mukarange in dezelfde streek, beelden uit diezelfde periode. Een massagraf met al eerder omgebrachte burgers. Maar ook nieuwe doden. Marcel en Gloria staan ook in Gahini onder strikte bewaking. On est mis dans une chambre. Avec un paquet de gens, de militaires, qui nous gardent très bien. Et le lendemain, dans l'après-midi, il y a une voiture qui arrive, avec des journalistes, une Jeep Isuzu qui arrive, et qui normalement n'aurait pas dû arriver à cette maison-là, qui s'est trompé de maison. Ma femme en profite dans ce moment de qu'est-ce qui se passe, etc. Elle en profite, elle plonge sur le caméraman, et le caméraman a le réflexe de prendre sa caméra et de, soi-disant, de me filmer. Qu'il ait filmé ou pas, ça je n'en sais rien, mais à telle vitesse, je pense que c'est pas possible. Mais il a eu la présence d'esprit, c'est que, en donnant l'impression de me filmer, il me donnait une garantie. Et ce qui a marché, ça a tout à fait marché. De volgende dagen blijft de Zambiaanse journalist voor het agentschap Reuters, Buchisiam Zeteka, met zijn ploeg bewust in de buurt van Marcel en Gloria, heeft hij ons zelf bevestigd. Hij heeft de beste relaties met de top van het Patriotisch Front. Met de cameraploeg mogen ze na een paar dagen vertrekken. In de late avond van 4 mei steken Marcel Guérin en Gloria Martinez de grens met Oeganda over. Nu pas, bijna 5 jaar later, zoekt Marcel opnieuw contact met de Rwandese vluchtelingen in België. Omdat eindelijk iemand wil luisteren. Mais monsieur Verlinden, à travers ce témoignage, je ne gagne rien, je risque plus de problèmes. Mais ce que je n'admets pas, c'est que la vérité, on n'a dit jamais. J'ai dit ce que j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vécu, j'ai dit la vérité. Tout ce que je dis aux gens qui essaient de me contredire, y étiez-vous? Et généralement, la réponse est non.